Bon, histoire de changer un petit peu ou de rompre la monotonie pour ceux qui aiment pas ça, de vidéos de mécanique, et ben voilà, aujourd'hui je dois aller faire un petit tour à la lodge pour livrer surtout de l'essence et puis un peu d'autres choses, et puis aussi surtout réparer un petit peu deux bateaux qui ont des petits soucis là-bas. Donc, me voilà équipé avec un bateau qui est un peu surchargé. J'ai grosso modo 600 kg, alors que si on regarde là, ils disent moins que ça. Mais bon, c'est pas très grave. J'ai déjà fait un petit test et puis mon bateau, il est capable de le faire, de monter au planning. Donc voilà, un petit peu plus d'une heure de route normalement. Et regardez là, hop, tac. Ça c'est au cas où il y a des nounours qui voudraient m'embêter sur la route. Et puis ben voilà quoi. Allez, je pars de là-bas. Et puis ben, à tout à l'heure. Bon ben, voilà, je suis arrivé sur la place de la lodge. Donc bon, c'est la première fois que je viens tout seul ici depuis 3 ans. J'ai commencé la saison ici il y a 2 mois et puis je suis venu avec le patron là il y a environ une semaine, mais c'est lui qui conduisait. Et me voilà arrivé. Donc surtout un trajet pour amener de l'essence, beaucoup d'essence. Et quand même pas mal surchargé le bateau, pas mal consommé et puis un peu bas sur l'eau. Et puis voilà, donc le nouveau lieu de la lodge. Donc là on a des tentes pour les clients. Puis on a des petits bâtiments ici. On doit avoir pour faire sécher les fringues. On a la cuisine à côté, etc, etc, etc. Donc bon, bah évidemment ça a changé depuis, donc en 2020, début de mois de juin 2020. Donc il y a eu l'incendie ici. Donc avant, les bâtiments étaient derrière. Je vais essayer de retrouver une petite photo et puis de mettre ça. Donc ça a pas mal changé, mais on voit même plus en fait l'emplacement des bâtiments qui étaient là avant. Tout ça, la végétation a déjà pas mal repris ses droits. Donc à part les arbres qu'on voit, qu'on cramé avec la lodge, et puis ben, le petit qui est juste là, on voit bien qu'il est cramé. Il y en a d'autres au fond là-bas qu'on voit bien que ça a cramé. Mais voilà, bah, tout ça a quand même pas mal recommencé. Donc maintenant, donc c'est plus des bâtiments en dur pour l'instant, c'est des tentes qui sont montées sur des plateformes. Enfin, donc ça c'est une tente pour 2 personnes. Donc il y a la partie chambre et puis une partie aussi salle de bain qui est derrière. Donc tout ça a pas mal repris forme un petit peu. Bah, il faut, de toute façon, faut continuer quoi. Bon, je vais pas vous embêter plus longtemps avec ça. C'était quand même juste histoire de vous faire une petite vidéo et puis de changer des vidéos de mécanique. Parce qu'il y en a plein quand même que ça intéresse pas beaucoup. Même s'il y en a plein qui doivent être en vacances et puis qui vont pas me regarder. Mais c'est pas grave. Bon, moi j'ai pas mal de boulot à faire, donc j'ai quelques bateaux à regarder. Et puis, voilà. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.